Forte de ses performances et fidèle à ses missions d'intérêt général, la CEPAC s'engage au service de la société. Croissance, performance, engagement. Trois principes qui orientent sa stratégie et guident son évolution. Venir en aide aux plus démunis, favoriser l'emploi, participer à la défense de l'environnement, participer à la vie sportive et culturelle. Tels sont les engagements de la CEPAC. Contribuer à l'émergence d'une société plus solidaire et entreprenante. Être une banque engagée. Depuis 2001, la CEPAC distribue plusieurs millions d'euros par an pour aider à la réalisation de centaines de projets d'économie locale et sociale, les PELS. Un dispositif unique dans le monde bancaire dont l'objectif est d'aider les personnes en recherche d'autonomie ou en situation de fragilité. Tout d'abord, la solidarité dans le domaine bancaire. C'est la mission de Créasol, association qui lutte contre l'exclusion bancaire. Deux publics ciblés. D'une part, les personnes en difficulté qu'elle accompagne dans leur projet de vie, leur offrant la possibilité de réintégrer les circuits financiers classiques. Et d'autre part, les créateurs de micro-entreprises qu'elle soutient, leur permettant de concrétiser leurs projets professionnels et de retrouver une autonomie financière. Ensuite, la solidarité par l'engagement social et civique. Des milliers de jeunes en situation d'illettrisme sont repérés chaque année au cours de leur journée d'appel. Depuis 2003, un dispositif innovant à la CEPAC, Savoir pour réussir, en accompagne plus d'une centaine tout au long d'un parcours alliant la remise à niveau des savoirs de base, la formation professionnelle, le soutien social et la création de projets collectifs. Enfin, la solidarité en encourageant l'autonomie des personnes âgées, malades ou handicapées, et en favorisant l'insertion par le sport et la culture. Pour cela, la CEPAC s'appuie sur les administrateurs de ses SLE, Sociétés Locales d'Épargne, qui détectent et sélectionnent des projets. Ces financements sont un élément majeur de la contribution de la CEPAC à une société plus solidaire, luttant contre toutes les formes de dépendance et d'exclusion. Le développement durable s'inscrit dans un projet à long terme. Parce que les valeurs historiques qui ont contribué à sa naissance s'inscrivent dans cette logique. Et parce qu'elle considère que le respect de l'environnement, l'amélioration des conditions de travail et la croissance économique équilibrée sont des éléments nécessaires à son bon développement. Sensible à la protection de l'environnement, la CEPAC soutient notamment l'Institut pour la forêt et son Forêtbus. Le siège administratif de la CEPAC est construit suivant la démarche HQE, haute qualité environnementale. Réalisation de bâtiments qui ont dans leur ensemble des impacts limités sur l'environnement. Elle a aussi réalisé un bilan carbone, incitant notamment les collaborateurs à prendre le train plutôt que l'avion. La CEPAC développe une politique forte de mécénat et de sponsoring à travers la fondation Écureuil pour l'art, la culture et la solidarité qu'elle a créée en 2006. Le moteur de l'action ? La proximité. La course Marseille-Cassis, le mondial La Marseillaise à pétanque ou encore le Festival de Marseille sont autant d'événements que la CEPAC parraine. Mais ce n'est pas tout. Les associations, la conservation du patrimoine antique, les compétitions sportives, les événements culturels locaux sont aussi soutenus. À noter également, la CEPAC est partenaire officiel de l'Olympique de Marseille. Proximité toujours, avec la volonté d'intervenir sur tout son territoire, la CEPAC est partenaire des Nuits de la Citadelle à Sisteron, du concours de BD Una Volta à Bastia et de différentes actions à Gap, Avignon, à l'île de la Réunion, en Guadeloupe et à la Martinique. Et enfin, l'espace Écureuil, situé en plein cœur de Marseille, est un vrai lieu de mécénat culturel, gratuit et ouvert à tous. Des expositions d'art moderne s'y succèdent. Sa vocation ? Être un tremplin pour les jeunes artistes, même si chaque année, les toiles de grands noms de la peinture viennent habiller les murs. L'autre vocation de l'espace Écureuil ? Un lieu d'ouverture, de conférences et de débats. Des jeunes aux personnes âgées, du sport à la culture, la CEPAC ne veut oublier personne. Fidèle à son histoire et à ses valeurs, c'est une banque engagée et solidaire.